Savez-vous pourquoi 80% des entreprises échouent dans leurs 5 premières années Ce n'est pas à cause du marché ni même un manque de talent, c'est à cause d'un mythe. Un mythe qui piège les entrepreneurs dans un cycle sans fin, le travail, le stress et la frustration. Si vous avez déjà eu l'impression de travailler jour et nuit sans voir le bout du tunnel et que vous rêvez d'une entreprise qui fonctionne même quand vous n'êtes pas là, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler les erreurs que presque tous les entrepreneurs commettent et comment construire un business qui ne dépend pas de vous pour survivre. Vous pensez que c'est impossible? Attendez de découvrir ce que je vais vous partager. Restez avec moi jusqu'à la fin. Une seule de ces idées pourrait bien transformer votre vision sur votre entreprise. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, c'est pas encore fait. Je vous invite dès maintenant à vous abonner. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas. Vous activez bien la petite clochette. Comme ça, c'est une ou deux vidéos que vous recevez chaque semaine où je vous parle d'entrepreneuriat, de mindset. Je vous parle aussi d'investissement dans l'immobilier, mais je vous parle surtout de comment moi j'ai pu créer mon indépendance financière via deux business que j'ai lancés dans ma ville, qui sont la sous-location professionnelle et immobilière et la conciergerie d'appartements. Ce sont deux business, donc de l'entrepreneuriat, qui m'ont permis d'obtenir des résultats rapides, sans crédit bancaire et sans apport. Si toi aussi tu souhaites mettre en place ces activités dans ta ville, je vais t'offrir tout de suite deux formations totalement gratuites que tu vas découvrir dans la partie description. Tu déroules, tu récupères ces formations gratuites, je t'explique tout pas à pas. Et à l'issue de ces formations tu seras convié à me rejoindre lors d'un webinaire, d'un live, où je vais justement répondre à toutes ces questions et je vais reprendre justement cette méthode pour te permettre à toi aussi de lancer ces différents business dans ta ville. Alors dans cette vidéo, on va voir justement pourquoi la plupart des petites entreprises, elles échouent, mais surtout quoi faire pour réussir. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé d'un ouvrage qui en parle très très bien, des différents concepts, des différentes étapes au niveau de la, de la on va dire, de la croissance de notre entreprise. Et cet ouvrage, c'est un ouvrage qui a été édité par un Américain, donc c'est Michael Gerber, et c'est e "Myth Revisited". Donc en français, c'est le mythe de l'entrepreneur revisité. Donc on va découvrir durant cette vidéo les différentes étapes et ce dont vous devez absolument mettre en place dès maintenant, ce dont vous devez être, faire le plus attention pour éviter de tomber dans ces travers et éviter justement que votre entreprise, eh bien, au départ, tout se passe globalement bien. Vous êtes plutôt un technicien dans votre boîte et ensuite vous allez voir que plus l'entreprise va évoluer, plus au contraire vous allez devoir eh bien, quitter ce poste de technicien. On dit souvent d'ailleurs quand on est entrepreneur qu'on a plusieurs casquettes, mais vous allez voir qu'en fonction... Eh bien de la croissance de votre entreprise en fonction de la maturité de celle ci il va falloir absolument que cette casquette eh bien, change et c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. qu'est ce que limite? Hein, donc euh, euh, le mythe euh, de l'entrepreneur c'est une idée fausse hein, qui serait selon laquelle les compétences techniques suffisent pour créer et gérer une entreprise prospère exemple bête. Alors on va faire bien entendu le parallèle avec ce qu'on fait nous aujourd'hui, mais exemple, un excellent ouvrier qui ouvre son restaurant en pensant que sa passion pour la cuisine garantit le succès, mais il ignore les compétences bien entendu nécessaires pour gérer le business. D'ailleurs, combien je vois d'entrepreneurs sous prétexte qu'ils aiment bien bouffer euh, cr créer leur, leur, leur restaurant en se disant euh, ouais c'est génial euh, ça a cartonné en fait c'est le technicien là ou c'est même pas le technicien c'est le consommateur qui se dit d'un seul coup je vais faire ça et combien je vois par exemple euh, de personnes qui sont euh, qui, qui, qui tout simplement euh, euh, bah, s'expatrient à l'étranger, par exemple moi ici euh, en Thaïlande, qui euh, ouvre des restaurants ou des bars, qui s'improvisent dans ce type de métier et qui en fait n'y connaissent absolument rien du tout. Et donc c'est un flop total au bout de la deuxième, troisième année, même des fois au bout de la première année, c'est terminé. Exemple, euh, ça peut être aussi dans notre activité, ça peut être de croire que... Euh, vous avez fait par exemple avec votre appartement ou dans votre ch une chambre par exemple chez vous la location courte durée pensez que ça y est derrière vous pouvez euh, faire de la conciergerie et offrir vos services à des propriétaires c'est exactement la même chose ça ne fonctionne pas comme ça soit parce que vous aimez faire ça et que c'est quelque chose qui vous plaît que derrière, donc là c'est le technicien qui parle, c'est même le consommateur qui parle, là finalement, qui derrière fait que l'entreprise va fonctionner. Donc là c'est une grosse erreur et c'est donc le mythe entrepreneurial. Donc le problème c'est que la plupart des entrepreneurs ne construisent pas finalement une entreprise, en fait ils se créent un emploi. Ils deviennent prisonniers des tâches quotidiennes et c'est bien ça le problème. D'ailleurs je vous ai fait des vidéos, je vous ai fait des podcasts où je vous ai déjà parlé de tout ça. Rappelez-vous, vous irez voir, hein, j'ai un, un podcast, je, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai aussi fait des vidéos, je vous les remettrai aussi ici, où justement je parle de ce problème. C'est que la plupart du temps, et ceux qui échouent, et notamment j'ai fait une vidéo sur le burn-out, c'est parce que en fait ce sont des techniciens, c'est-à-dire qu'ils ils sont devenus leur, le propre employé de leur propre entreprise. Et donc on va revoir justement pourquoi, et surtout on va voir ce que vous devez faire absolument aujourd'hui pour ne pas tomber dans ces travers. Donc, bah, Michael Gerber, donc, il met en lumière une idée qui est assez puissante, c'est que chaque entrepreneur possède en, finalement en lui trois personnalités qui se battent constamment pour le contrôle. Vous allez découvrir ces personnalités dans quelques instants. Cette lutte interne est à la racine de nombreuses erreurs entrepreneuriales. Comprendre ces personnalités et apprendre à les équilibrer est essentiel pour réussir. Alors, on va commencer justement par la première et dont je viens déjà de vous parler, c'est le fameux technicien. Donc, le technicien, sa description, c'est quoi en fait, c'est le faiseur, c'est lui qui fait les choses. C'est quelqu'un qui aime le travail technique, qui se sent en sécurité lorsqu'il exécute ses tâches, qui maîtrise parfaitement. D'ailleurs, quand vous faites ces tâches, ou par exemple, ça va être certain je sais, ils vont aller faire le ménage. Oui, ils maîtrisent le ménage, donc ils se disent « je vais créer mon entreprise de nettoyage » ou de ménage, voilà. Donc, ils se sentent bien, en fait, ils se sentent à l'aise là-dedans, donc euh, ils sont en mode technicien. Euh, donc, il est pragmatique, il est pratique, et en fait, ils se concentrent sur l'immédiat. Sur euh, on fait tout de suite la, la mission pour laquelle on a été euh, on a été sollicité. Exemple, encore une fois, si on prend la cuisine, un chef cuisinier qui ouvre un restaurant parce qu'il adore cuisiner. Hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Ou ça va être aussi, par exemple, vous aimez faire des nettoyages, vous aimez nettoyer chez vous, vous dites bah c'est ok, je crée une boîte de nettoyage. C'est exactement la même chose. Vous faites déjà du Airbnb par exemple dans vos appartements et vous dites bah ouais je vais faire aussi du Airbnb euh, maintenant en conciergerie ou je vais faire de la sous-location enfin comme je peux vous l'enseigner. Donc les forces de ça il y a quand même des forces attention c'est que c'est une excellente maîtrise technique donc ça c'est cool et focalisation sur les détails et le produit ou le service forcément là-dessus il n'y a pas de sujet. Par contre il y a des vraies faiblesses tendance à s'isoler et éviter les responsabilités stratégiques. Difficulté à déléguer, le technicien pense souvent que personne ne peut faire ce travail aussi bien que moi. Risque de surcharge, il finit par s'épuiser en essayant de tout faire lui-même. Et là, on tombe dans le burn-out. C'est ce que je vous ai expliqué il y a, a, a deux-trois semaines de cela dans une précédente vidéo. Est-ce que déjà, ça vous parle ça Moi, je pense que ça vous parle. Honnêtement, je vous le dis pour avoir, parce que j'aide beaucoup de personnes à créer leur entreprise, je pense que ça vous parle énormément et vous, vous sentez concerné quand je vous dis ça. Donc un comportement typique de ça, c'est des personnes qui vont passer des heures à perfectionner un produit ou à gérer des tâches mineures tout en négligeant des aspects essentiels comme la stratégie, le marketing ou la gestion. Et je vous le dis par expérience, c'est un petit peu ce qui s'est passé moi dans, dans le cadre de mes activités, euh, qui se passe encore. Moi, je vois bien et en fait, tout de suite, euh, ces personnes-là vont avoir tendance à dire « Non, mais ça, c'est plutôt à toi de le faire, c'est plus ton truc ». Ouais, mais non, en fait, c'était aussi tes tâches, quoi, parce que toi aussi, tu es, es dans la boîte, tu es associé, toi aussi, tu dois euh, réfléchir à autre chose. Tu ne peux pas te contenter de faire que, de, que du technicien. Euh, Ce que moi, je pourrais dire exactement la même chose, euh, je peux très, très bien dire, par exemple, avec mon rôle de président, bah, je fais que les… Euh, euh, que, les, euh, que les médias, enfin euh, que la communication, et puis éventuellement je fais juste la, la partie financière. Ouais mais d'accord, mais à un moment donné qui qui va euh, développer la boîte quoi tu vois Parce que c'est pas forcément une tâche qui va forcément plaire. Donc ça déjà j'aimerais que vous me disiez dans cette partie commentaire déjà est-ce que est-ce que ça vous parle Moi je pense que oui sincèrement je vous le dis euh, clairement. Ensuite il y a une deuxième personnalité, c'est le manager. Donc le manager c'est l'organisateur. Il aime planifier, il aime structurer et il aime maintenir l'ordre. D'ailleurs, j'ai un, un très bon ami à moi qui adore ça. Il adore ça. Il n'est pas du tout profil technicien, il est profil clairement manager. Il s'assure que tout fonctionne et que les processus sont respectés. Exemple, une personne qui met en place un tableau de bord pour suivre chaque aspect de son entreprise. D'ailleurs, cet ami, s'il si regarde cette vidéo, il se reconnaîtra, il adore ça, les tableaux de bord. Donc, les forces, bah, l'organisation, la discipline, c'est top. Il a la capacité à documenter et à structurer les processus pour que l'entreprise fonctionne efficacement. Il a une vision à court et moyen terme, donc ça c'est bien. Par contre, il y a des faiblesses. Le problème, c'est qu'il y a une résistance au changement, et c'est vrai. Le manager préfère maintenir le statu quo plutôt que de prendre des risques. Et puis, il peut être trop rigide ou axé sur les processus, ce qui limite l'innovation. Surcharge administratif, il peut passer trop de temps sur les détails organisationnels au détriment de la vision globale ou sur les chiffres. Et donc un comportement typique, ça va être quoi Ça va être créer des checklists, des manuels, des plannings détaillés pour chaque aspect du travail, et puis s'inquiéter lorsqu'il y a un changement ou une nouveauté non planifiée. Dites-moi dans la partie commentaires, est-ce que vous vous retrouvez dans ce deuxième profil, ce deuxième comportement typique? Euh, Est-ce que vous, vous retrouvez dans celui-ci Et enfin, on arrive au troisième. Euh, et bon, c'est dans cette catégorie que je me situe. <laughs> c'est l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est visionnaire. Il voit l'avenir. Il rêve de nouvelles opportunités. Il cherche à innover. Il aime le changement. Il aime la croissance. Et les mmh. idées audacieuses. Exemple, une personne qui imagine transformer un petit café en une chaîne internationale. C'est tout à fait mon profil. <laughs> Dès que je vois quelque chose, je me dis mais pourquoi j'en ferai pas un gros truc quoi. Mais c'est voilà, c'est. On va comprendre les limites de tout ça. Hein, vous allez voir hein, parce que il y a des forces et des faiblesses dans chaque profil. Hein, Qu'on soit clair, il n'y a pas un jugement ici dans cette vidéo. Donc les forces, orientation vers l'avenir et la croissance, capacité à repérer des opportunités que d'autres manquent, charisme pour inspirer et motiver, et les faiblesses. Eh bien, il peut ignorer les détails ou les opérations quotidiennes. C'est, Je me retrouve à 100% là-dedans. A tendance à prendre trop de risques sans réfléchir aux implications pratiques. C'est mon cas. D'ailleurs, vous le savez, ma carrière entrepreneuriale a fait que j'ai eu des fois des gros downs parce que, justement, prise de risque trop forte. Donc, des fois des gros up et puis des gros downs. Euh, S'impatiente facilement face à la lenteur des résultats. Ça me correspond parfaitement, cette description. Et un comportement typique, c'est lancer constamment de nouvelles idées sans en évaluer la faisabilité. C'est à peu près ça. Passer d'un projet à un autre, souvent sans finaliser ce qui a commencé. D'ailleurs, on me l'a reproché très souvent. Euh, J'ai eu des employés et je sais qu'ils me disaient trop souvent, mais euh, patron ou boss, quand c'était à l'étranger, on me disait boss. Mais on me disait souvent, euh, Sébastien, euh, non, euh, ça va trop vite, en fait, tu veux trop changer. Tu, tu, tu... Et, et, et c'est perturbant pour les autres. Hein. Pour ceux qui vous accompagnent, c'est très perturbant. Donc, quand je vous dis tout ça, bah d'ailleurs vous me direz dans la partie description si vous êtes plutôt entrepreneur. Dites-moi franchement, dans la partie description, à un moment donné de cette vidéo, dites-moi comment vous vous retrouvez. Et c'est intéressant justement. Donc, le conflit entre ces trois personnalités, bah oui, forcément, il y a un conflit interne, puisque ces trois personnalités, en fait, ils ont des priorités qui sont complètement opposées. Le technicien, bah lui, veut travailler sur le produit. Le manager, bah lui, veut maintenir l'ordre et puis veut éviter les risques. Et puis l'entrepreneur, bah, lui, il veut innover et il veut bouleverser l'ordre établi. Donc en fait, on va carrément dans les opposés systématiquement. Ces trois caractères-là sont complètement opposés. Donc exemple, l'entrepreneur rêve d'ouvrir une deuxième boutique, mais le manager résiste car cela perturbera les systèmes actuels. Pendant ce temps, le technicien est débordé par la charge de travail actuelle. Est-ce que, je pense, est-ce que vous voyez à quoi je fais allusion Est-ce que dans votre société actuelle... Et ça, c'est pas ce qui est un petit peu en train de se passer. Franchement, dites-moi, soyez honnête. Attention, hein, encore une fois, il n'y a pas de jugement et je m'inclus dans, 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 bien entendu dans, dans tout ça puisque je suis dans le même bain que vous, hein, qu'on qu soit clair. Donc, impact sur l'entreprise. Si le technicien y domine, bah, l'entrepreneur se retrouve prisonnier du travail quotidien, incapable de prendre du recul pour développer son entreprise. Si c'est plutôt le manager qui domine, bah, l'entreprise devient rigide. Elle perd en créativité et elle reste dans sa zone de confort. Et enfin, si l'entrepreneur y domine, l'entreprise est submergée par des idées non testées et il va risquer de complètement s'éparpiller. Alors, comment équilibrer ces trois personnalités Déjà, il faut reconnaître leur rôle respectif. Comprenez que ces trois personnalités sont nécessaires pour le succès de l'entreprise. Identifiez laquelle domine chez vous. Et où vous devriez travailler pour établir l'équilibre. Donc là, c'est si vous êtes tout seul, par exemple. Si vous êtes tout seul dans votre boîte, je vais vous donner, en fait, pour moi, comment vous devriez faire. Si à un moment donné, vous avez un projet d'association, eh bien, essayez de repérer, justement, ces trois personnalités. Moi, je vois à un moment donné, je vous le dis en toute transparence, j'ai loupé le coche, en fait. Parce que moi, j'ai ce côté entrepreneurial. J'ai un très bon ami qui voulait rentrer dans l'entreprise. Finalement, ça ne s'est pas fait et qui est lui qui a un profil complètement manager. Et mon euh, directeur actuel dans mon entreprise, lui, il a une personnalité complètement technicien. Et en fait, ça aurait pu vraiment coller, ce truc. Parce que, mais par contre, il faut pouvoir s'entendre aussi. Il faut pouvoir s'entendre, et il faut pouvoir accepter que l'autre n'est pas dans le, même, dans le même schéma que toi. Donc, il y a des concessions, des, des concessions à faire, il faut comprendre tes limites, il faut comprendre lui dans quelle logique il est, et il faut travailler autour de ça. Et c'est ça qui est très difficile. Donc, une association à trois où il y a ces trois profils, pour moi, c'est le top. Mais après, il faut définir aussi, il faut bien que chacun soit identifié dans sa mission. Si tu es tout seul, si es tout seul, qui, et c'est très certainement le cas, bah déjà, il faut que tu identifies toi, qu'est-ce qu que tu es Donc, c'est pour ça, dis-moi dans cette partie commentaire. Et du coup, bah tu as compris qu'il va falloir travailler sur les autres. Donc, structurer votre entreprise. Pour le technicien, ça va être de documenter les processus pour pouvoir déléguer ce que vous faites limiter votre temps sur les tâches opérationnelles. Vous bah, ce que le technicien, il ne peut pas rester dans son délire euh, à se dire, mais comment, euh, euh, comment, euh, par exemple, exemple dans la conciergerie, euh, oui, alors les draps, il faudrait plutôt qu'on prenne telle matière, j'ai fait des devises, je me... » non, mais c'est bon, euh, on ne va pas passer tout notre temps là-dessus, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le plus important. C'est bien, c'est cool, mais ça ne va pas changer la phase des choses. Le manager, lui, va développer des systèmes, mais laisser à la place pour l'innovation et les changements. Donc il développe des systèmes, mais il sait que derrière... Il doit être créatif aussi. Et l'entrepreneur, lui, bah, il faut aussi qu'il se corrige. Il faut qu'il prenne le temps de tester ses idées avant de les mettre en œuvre. Il doit impliquer le manager et évaluer la faisabilité avec le technicien pour l'exécution. Donc là, c'est le parfait truc. C'est-à-dire que l'entrepreneur, lui, a les idées. Le manager, il voit comment organiser tout ça. Et enfin, le technicien, bah, lui, il voit la faisabilité finale. Est-ce que tout ça, ça va bien s'exécuter correctement et comment il peut le faire? Donc, déléguer intelligemment, c'est le technicien peut déléguer les tâches répétitives pour se concentrer sur la qualité du produit. Le manager, il peut automatiser ou essentialiser la gestion administrative. Et l'entrepreneur peut collaborer avec des partenaires ou des équipes pour donner vie à ses visions. Donc, sur cette partie-là, déjà, rien que là-dessus, et ce n'est pas fini, bien entendu, il y a pas mal de choses à voir encore dans cette vidéo. Il va falloir harmoniser les trois rôles. Donc pour réussir un travail en tant qu'entrepreneur, il est crucial de reconnaître ces trois personnalités en vous et de travailler à leur équilibre. Donc chaque rôle a une importance clé, on l'a vu, l'entrepreneur, il imagine l'avenir, le manager, il organise les opérations et le technicien, il garantit l'excellence technique. Et quand je vous ai dit tout ça, on arrive ensuite aux phases de croissance dans l'entreprise. Parce que tout ça, euh, ces trois rôles... Vont avoir plus ou moins une importance, euh, vont, vont avoir un, un rôle important en fonction de la maturité de l'entreprise. Je m'explique. On arrive maintenant aux phases de croissance de l'entreprise. Donc déjà l'enfance. L'enfance, c'est l'entrepreneur technicien, c'est le démarrage de la boîte. C'est là si vous venez créer votre boîte par exemple. Donc focus principal, l'entrepreneur s'identifie principalement comme un technicien, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise une compétence ou un métier. On l'a vu tout à l'heure. Vous aimez gérer des appartements, vous aimez faire de la courte durée, vous aimez faire du ménage. Voilà. Donc là, technicien, hop, profil technicien, il, con, il connaît, il maîtrise, il se sent à l'aise. OK, on démarre. Donc au départ, l'activité, bah, il va se concentrer sur les tâches qu'il aime et qu'il sait faire. Souvent au détriment de la stratégie ou de la gestion. On est d'accord avec ça. C'est bien ce qui va entamer. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça en quelques instants. Exemple l'histoire du cuisinier qui ouvre un restaurant parce qu'il adore cuisiner ou un graphiste freelance qui lance son agence pour pouvoir faire ce qu'il aime le design ou comme vous vous aimez faire du ménage ou vous aimez mettre des appartements vous avez déjà mis des appartements sur Airbnb vos propres appartements vous dites bah ça y est je peux monter ma conciergerie c'est ok ou là vous aimez recevoir des voyageurs enfin peu importe vous avez déjà travaillé dans dans ou l'hôtellerie vous avez déjà travaillé dans le tourisme et vous dites bah tiens ça, ça correspond j'aime bien le tourisme j'aime bien l'hôtellerie je monte ma boîte quoi Ok, donc là c'est le profil technicien qui parle. Donc il y a un, donc les défis typiques hein, qui vont arriver très rapidement, donc au début tout va bien, c'est évident, mais vous allez voir après qu'il y a pas mal de défis. Et ces défis, c'est quoi? Surmenage. L'entrepreneur fait tout lui même production, service client, comptabilité, marketing. On est d'accord ou pas? C'est ce que vous allez faire. Vous allez travailler de longues heures, souvent au détriment de votre santé et de votre vie perso, de votre vie de famille. Il y aura un gros manque de vision stratégique. L'attention est presque exclusivement portée sur le travail du quotidien, du quotidien, sans penser à la croissance ou à l'avenir. Ou alors la croissance va se faire, mais en fait vous allez, euh, c'est comme si euh, je vous donnais à manger et euh, vous l'avalez sans même la digérer. Vous voyez ce que je veux dire Sans réfléchir si vous devriez le manger en fait. C'est-à-dire que je vous donne à manger et vous l'avalez quoi. Vous réfléchissez pas, vous vous prenez parce que vous voulez croître. Vous savez dans votre tête que vous devez croître. Mais vous êtes toujours dans votre profil technicien. Est-ce que vous voyez où, on veut, où je veux en venir Ensuite, la capacité à déléguer, l'entrepreneur croit souvent que le personne ne peut faire ce travail aussi bien que lui. C'est-à-dire que vous vous dites, ah non mais le ménage, il n'y a que moi qui sait faire, euh, ou accueillir des voyageurs, enfin bref, vous êtes dans ce délire-là. Donc il bah, y a pas mal de problèmes, vous comprenez, vous êtes d'accord avec ça. Puisque l'entreprise va, va plafonner rapidement parce qu'une personne seule ne peut pas tout gérer. L'épuisement ou le burn-out devient une menace sérieuse, j'en ai parlé, je vous remettrai le lien dans cette vidéo, du burn-out, et justement j'ai déjà fait allusion à pas mal de fois à ce que je vous dis ici. Si l'entreprise ne dépasse pas cette phase, elle est donc vouée à l'échec. Ensuite, on arrive à la deuxième étape, donc dans la croissance de votre boîte, c'est l'adolescence. La croissance et les premiers défis. Donc, là, votre focus principal, c'est bah, vous commencez à réaliser que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc là, vous cherchez à déléguer, vous cherchez à structurer pas mal d'opérations, à automatiser, etc. Donc vous allez commencer à embaucher vos premiers employés, vous allez externaliser certaines tâches, vous allez mettre en place des systèmes d'automatisation pour gérer les opérations, vous allez prendre des outils, euh, euh, Channel Manager, Guest Lucky pour la partie opérationnelle, etc. etc., etc. Donc là, il bah, y a des défis, bien bah, entendu, puisque bah, vous allez déléguer, mais mal. Mal parce qu'en en fait vous allez déléguer sans donner de directive claire ce qui va entraîner des erreurs ou des inefficacités ou alors vous allez déléguer trop tard c'est à dire que vous êtes complètement dans le jus et l'erreur que font la plupart des entrepreneurs c'est que vu qu'ils savent qu'ils doivent déléguer parce qu'ils n'ont plus le temps en fait ils vont déléguer dans la précipitation donc il n'y a pas effectivement de mission claire de directive très claire en gros c'est la personne écoute euh, fais ce que je fais quoi ouais mais en fait vous refilez le bébé quoi pour filer, euh, pour filer le bébé, quoi. pour filer le singe, comme on dit euh, dans, le, dans le management. Hein, C'est transférer le singe. Euh, pour ceux qui ont fait du management, je pense qu'ils vont comprendre pourquoi je dis ça. En fait, en fait, ensuite, vous avez une confiance excessive. Parfois, vous faites trop confiance à une seule personne, comme un comptable ou un gestionnaire, sans mettre en place des contrôles adéquats. C'est-à-dire que par exemple, vous allez recruter un directeur, vous allez recruter quelqu'un, et en gros... Euh, oh, voilà, il m'a sauvé. Je suis tranquille. Et du coup, vous avez une confiance aveugle. Vous maîtrisez rien, vous regardez rien, vous vérifiez rien. Et d'un seul coup, oh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Plein de problèmes. J'ai connu aussi tout ça. Hein. Quand je dis tout ça, je me retrouve à 300% parce que j'ai connu tout ça. Donc une croissance désordonnée. Hein, donc l'entreprise va croître très vite, euh, mais bien plus vite que sa capacité à gérer sa croissance. Et ça va donc entraîner des problèmes logistiques, mais surtout, ça va entraîner des problèmes financiers. Dites-moi dans la partie commentaire si vous n'avez pas des problèmes financiers justement en ce moment. Et il s'explique ces problèmes financiers. Donc les problèmes potentiels. Crise de croissance, on l'a connu, je l'ai traversé à plusieurs reprises. Si l'entreprise se développe sans système solide, elle peut s'effondrer sous le simple poids de ses propres succès. C'est quand même paradoxal. Je vous l'ai dit, la première année que j'ai créé ma conciergerie, ça a tellement été trop vite que j'ai cru que j'allais couler la boîte. Ça a été beaucoup trop vite. Quasiment 70 appartements en une année, c'est chaud. Vraiment c'est chaud et euh, on n'était pas bien. Et je vous dis, on a failli couler. C'est quand même paradoxal, hein, vous voyez ce que je veux dire. Pour ça que je dis tout le temps, allez-y doucement, allez-y crescendo. Gérez déjà bien ce qui se passe en interne. Pour après aller chercher et rentrer de nouveaux appartements. Conflit interne, bah oui, des erreurs de délégation, un manque de communication peut provoquer des tensions dans l'équipe. Il y a eu des tensions, c'est clair. Découragement, l'entrepreneur peut être frustré par l'écart entre ses attentes et la réalité. Et c'est ce qui s'est passé également. Et peut-être que c'est ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Dites-moi, dites-moi sincèrement. Donc, les différentes clés pour réussir, c'est quoi C'est construire des systèmes documenter tous les processus clés. Pour que l'entreprise puisse fonctionner même en l'absence de l'entrepreneur. Vous prenez ce temps pour tout documenter sur comment ça fonctionne à l'intérieur. C'est-à-dire que n'importe qui qui arrive dans la boîte, vous lui donnez ce document ou vous lui donnez ce PDF ou peu importe, vous lui dites tiens, voilà la notice, voilà en gros ce qui va se passer. Ça peut être pour les ménages, ça peut être pour la comptabilité, ça peut être pour la gestion des voyageurs. Tout, 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 vous le, vous le, vous le, vous le mettez par écrit. Vous documentez. Ensuite, il va falloir investir dans de la, dans de la formation. Hein, investir dans de la formation des employés à mettre en place des indicateurs de performance. Si vos employés, par exemple, ne sont pas bons dans le ménage, euh, il faut les former. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, une entreprise externe, peu importe. Il faut des formations, il faut investir. Vous n'avez pas le choix. Parce qu'en fait, vous n'y arriverez jamais. Mais quand je dis vos employés, c'est aussi vous-même. Hein. Si vous n'êtes pas bon, par exemple, sur telle ou telle partie, il faut vous former, il faut prendre ce temps. Enfin, on arrive au niveau de la croissance de l'entreprise à la maturité. Donc, l'entreprise est structurée et elle est visionnaire. Donc, là, vous allez avoir un focus assez principal qui va être sur une vision assez long terme et vous allez travailler principalement cette fois-ci sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise. Puisqu'au départ, vous avez travaillé dans l'entreprise, mais il ne faut surtout pas devenir un salarié de votre entreprise il faut travailler sur votre entreprise et vous rémunérer finalement que en dividendes et ça a son importance parce que quand vous vous rémunérez uniquement en dividendes vous êtes bien sur la création d'un actif d'un système qui en fonction des résultats qu'a réalisés vous rémunère ou pas c'est pas comme quand vous êtes salarié du, du truc, c'est qu'en fait déjà vous, vous mettez dans une posture de salarié. Je travaille dans l'entreprise. Alors après, bien entendu qu'il y a des arrangements à faire par rapport au comment dirais aux, aux droits sociaux, retraite, etc. On est d'accord, on est d'accord. Mais vous comprenez en fait déjà la position que vous devez avoir dans votre boîte. Donc activité, les systèmes sont en place, l'équipe est formée pour gérer les opérations quotidiennes. Voilà, ça c'est l'espace de maturité. L'entrepreneur se concentre plutôt sur la stratégie, l'innovation, les opportunités de croissance. Ça c'est quand on est vraiment à un stade de maturité de sa boîte. Donc on a quand même des défis parce qu'il va falloir garder le cap. Euh, donc même à ce stade, hein, l'entreprise doit continuer à innover pour rester compétitive et être toujours dans une phase de croissance. Euh, ne pas perdre sa vision avec la stabilité, peut-être tentant de tomber hein, dans une routine qui limite l'évolution bien évidemment euh, parce que bah, au bout d'un moment bah, vous tombez dans cette routine et vous dites bah, je laisse tourner le truc quoi ouais mais c'est là où justement le risque c'est que ça retombe en fait euh, parce qu'il y aura de la concurrence parce que le marché va bouger et vous savez que dans les activités qu'on fait aujourd'hui le marché il bouge très très vite anticiper les logements donc les marchés évoluent rapidement l'entreprise doit être capable de s'adapter ça c'est vos défis majeurs donc les problèmes bien entendu ça va être une perte d'agilité agil... Je vais y arriver. Les structures sont trop rigides pour freiner et peuvent freiner l'innovation. Il faut faire attention à ça. Et puis, vous êtes peut-être peut dépendant excessivement au système. Si les systèmes deviennent plus importants que les personnes, cela peut nuire à la culture de l'entreprise. On est d'accord. C'est d'ailleurs ce que je reproche dans, par exemple, la grande distribution. Pour travailler dans la grande distribution, il y a tellement de systèmes qu'en fait, ça casse complètement la, ouais, la culture de l'entreprise. En fait. Il n'y a plus de place à la créativité. Je, je vais remarqué, il y avait trop d'outils et en fait, euh, tu n'avais plus vraiment de possibilité de créativité. En il fait. fallait suivre les process. Ce que je peux comprendre hein, parce que sur un échelon au-dessus, le gars, il veut piloter à distance. Il va être certain que sa vision va être, va corréler avec, euh, avec ce qui va se faire réellement. Mais ça tue la créativité. On est bien d'accord donc, les clés pour réussir, ça va être standardiser et innover. Donc, continuer à affiner des systèmes tout en recherchant activement de nouvelles opportunités. Et puis, il va falloir déléguer sa vision, puisque former des leaders au sein de l'entreprise pour qu'ils puissent partager la vision et conduire l'entreprise vers de nouveaux sommets. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous aurez aussi besoin de vous entourer de gens qui sont visionnaires, de gens qui ont des. Euh, des, aussi des et qui vont valider ou non vos. vos comment dirais-je, vos, vos idées. Alors, comment on évolue d'une phase à une autre de la phase de l'enfance à l'adolescence, puis à la maturité. Donc de l'enfance à l'adolescence. Déjà, ça va être reconnaître les limites du technicien. Donc reconnaître déjà vos propres limites, si vous êtes tout seul dans votre boîte, les reconnaître. Accepter que tout faire soi-même n'est pas viable à long terme. Mais quand je dis ça, c'est pas en mode Ah non, mais je vais déléguer. Non, mais c'est déléguer intelligemment. C'est pas déléguer. Euh, combien de personnes je dis euh, Ou des personnes qui disent Ah, mais il faut déléguer, il faut déléguer. Non mais, non, mais ok, mais déléguer, ça ne veut rien dire. Je vois combien de, de gars qui vous disent ça sur Internet ou autre mais ils n'ont rien compris. C'est facile de déléguer. C'est facile d'aller sur le bon coin ou sur, euh, ou sur, euh, comment dirais-je, euh, ou sur des, ou sur une deal ou sur d'autres applications pour déléguer. Mais il faut déléguer intelligemment. Être dans un processus vraiment, ce que j'appellerais dans c'est-à-dire vraiment de, on, 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 on fait rentrer quelqu'un dans ce processus qu'on a imaginé. Donc comment à déléguer. Ça va être externaliser les tâches déjà répétitives. Alors voir les automatiser d'ailleurs. Ou celles qui ne relèvent pas de vos compétences principales et puis établir des processus, donc créer des checklists, des instructions claires pour chaque rôle dans l'entreprise. Donc ça c'est de l'enfance à l'adolescence. La, donc vous êtes un profil technicien. Alors si vous êtes plusieurs dans la boîte, bah, c'est très bien parce que vous allez pouvoir le mettre en place dès le départ, si vous êtes tout seul, il va falloir passer par cette étape. Vraiment retenez ça, c'est super important quoi. L'adolescence à la maturité. donc là il va falloir documenter tout. Donc, vous standardisez les opérations pour garantir une cohérence, même avec une croissance rapide. Ensuite, il va falloir investir dans de la formation. Formez vos employés pour qu'ils puissent gérer l'entreprise de manière autonome. Faites des points réguliers. Dites-leur Tu as des difficultés Ok, bah écoute, cette semaine, on va, on va faire une semaine spécialement pour que je puisse bien te, te former à la suite, en fait. Ou euh, pour que tu sois mieux, euh, que tu gères mieux en fait ce que tu fais, ton, ton travail du quotidien. Et puis, adopter un rôle de stratège, passer de la gestion opérationnelle à la vision stratégique. Je le redis, passer de la gestion opérationnelle, ce que vous faites aujourd'hui peut-être, à une vision plus stratégique. Vous êtes dans une croissance de l'entreprise, ne l'oubliez pas. Donc, la phase 1, c'est l'enfance. Donc, le succès dépend finalement de votre capacité à produire un Excellent produit ou service, ça c'est la phase 1. La phase numéro 2, c'est l'adolescence. Le succès dépend de votre capacité à construire une équipe et à mettre en place des systèmes. Et la phase numéro 3, c'est là, là, lorsqu'on est à la maturité, c'est le succès dépend de votre capacité à vous concentrer sur la vision, le stratège et l'innovation. Dans quelle phase êtes-vous aujourd'hui Dites-moi dans la partie commentaires. Je fais beaucoup appel à vous aujourd'hui, mais c'est important parce que c'est aussi une façon de vous. De vous impliquer dans, dans ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ensuite, alors on arrive sur autre chose. On va construire une entreprise comme un système. Donc, Michael Gerber insiste sur le fait que le succès durable d'une entreprise repose sur sa capacité à fonctionner comme un système reproductible, ce qu'on appelle le fameux scale, quand, quand on scale notamment, où les opérations ne dépendent pas uniquement de l'entrepreneur. Alors, pourquoi on va créer ça en fait, déjà, c'est pour garantir une cohérence dans la qualité des produits ou de services. Euh, Aujourd'hui, vous le voyez dans les, plus, dans les produits que vous, que, vous, que vous achetez ou quand, par exemple, vous allez à McDonald's, bah, en fait, vous avez cette cohérence. Ils ont construit un système. La qualité des produits et services sera la même partout dans le monde. On est d'accord avec ça. Ré réduire la dépendance à une personne en particulier, y compris l'entrepreneur y compris l'entrepreneur, y compris vous, faciliter la croissance et l'expansion, par exemple via une franchise ou la délégation. Et j'ai envie de vous dire, même parfois, il faudrait que vous réfléchissiez comme une franchise. C'est-à-dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de créer une franchise. C'est pas ça que je vous dis, mais réfléchissez comme une franchise. Parce que réfléchir comme une franchise, franchise, c'est forcément mettre en place des concepts pour répliquer en fait le mode opératoire. Comme moi j'ai fait par exemple dans mes formations. Dans mes formations, il y a un mode opératoire. Après, les personnes font comme elles veulent. Mais par exemple, vous voyez, quand j'ai construit Guess Lucky, indirectement, je me suis rendu compte après que j'ai construit un mode opératoire, une façon de travailler. Et donc certaines personnes n'adhèrent pas, ne veulent pas travailler comme ça. C'est leur problème. Mais moi en tout cas, ma vision, ça fait quand même un bout de temps que je fais ça. Je ne dis pas que je suis le meilleur dans, 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 dans mon domaine, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais je pense avoir un certain recul en tant qu'entrepreneur et euh, expérience dans la conciergerie, la sous-location, la courte durée, de manière générale, euh, parce que j'ai vu quand même pas mal de choses, euh, à l'étranger comme en France. Et je l'ai fait dans, dans les deux pays, donc euh, voilà. Et euh, Guess a été réfléchi comme ça. Après, c'est une façon de travailler, et des personnes, je vois bien, elles n'adhèrent pas, c'est leur problème. Mais moi, pour moi, ils n'ont pas choisi la bonne méthode. Et je pense qu'au bout d'un moment, elles vont s'essouffler. Et l'entreprise va s'essouffler. C'est clair. Et après, il sera trop tard. Pour moi, il sera trop tard. Mais bon, c'est un autre sujet et je n'ai pas envie de débattre là-dessus. Euh, libérer du temps pour que l'entrepreneur se concentre sur des tâches stratégiques, ça, c'est votre goal. Hein, c'est votre but. Alors, comment construire ce système efficace déjà vous documentez tous les processus donc vous créez un manuel d'opération des guides clairs pour chaque activité de l'entreprise exemple comment gérer une commande étape pour traiter une réclamation client processus pour former un nouvel employé on rentre un nouvel appartement c'est quoi le processus pour rentrer un nouvel appartement tout 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 doit être détaillé absolument tout euh, qui est des documents surtout Ensuite, on va métier des tâches répétitives. Donc là, vous avez des chain managers, vous avez Guest Lucky, je vous le redis et je le redis et je le redirai. Parce que au-delà que c'est un produit que j'ai développé, c'est surtout un concept et une façon de bien gérer sa boîte. Mais après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est vous qui voyez. C'est votre problème. Mais en tout cas, moi, j'aurais tout fait à travers YouTube pour vous donner euh, les, les meilleures conditions pour réussir. Voilà. Après. Il y aura forcément certains qui n'écouteront pas. Donc vous pouvez aussi utiliser des, des, euh, donc, des outils d'automatisation comme Make hein, ou Zapier, bien entendu, pour connecter des logiciels entre eux. C'est ce qu'on fait notamment avec le no-code et avec mes amis Yod et Charlène. On a une formation no-code, hein, je vous la mettrai en description de cette vidéo, où justement on vous explique comment créer un écosystème dans votre société. Vous vous, vous déroulez dans la partie description, vous, vous verrez. Euh, on vous a, je vous ai même mis un replay d'un webinaire. Et puis après, il faut des logiciels de gestion, donc Guestly, Asana, Trello, Monday, tous ces outils de gestion, bien évidemment, pour organiser des workflows. Et puis on va ensuite standardiser les interactions clients. Assurez-vous que chaque client reçoive une expérience uniforme, quel que soit le point de contact. Je vous l'ai dit avec McDonald's, qui offre la même expérience dans, dans tous ses restaurants. Bah vous, c'est un peu la même chose en fait. Il faut absolument qu'il y ait un standard, que le voyageur, en fait, ait, connaisse la même expérience. On ne peut pas accepter dans votre entreprise, vous ne pouvez pas accepter que parfois il y a un voyageur qui va mettre 5 étoiles sur un ménage et une fois un, une étoile. Alors après, il y aura bien entendu les, euh, ceux qui, euh, qui font n'importe quoi, qui, qui vont mettre une étoile. Alors finalement, c'était nickel, on est bien d'accord. Mais euh, il faut être dans un standard. Vous n'avez pas le choix. Mesurez, optimisez, mettez en place des indicateurs de performance qu'on appelle des KPI, hein, c'est des indicateurs de performance pour évaluer l'efficacité de tous vos systèmes. Exemple, temps de réponse moyen, satisfaction client, productivité par employé. Vous devez tous les mois vérifier la, votre performance, où est-ce que vous en êtes. Dans la performance satisfaction voyageur, dans la performance de vos employés et voire même dans votre propre performance également. Vous auto-analysez ou demandez à quelqu'un euh, ou un de vos associés qui vous auto-analyse et vous-même vous l'analysez. Vous l'auto-analysez dans ses missions. Où est-ce qu'il en est Est-ce qu'il a bien fait ceci ou cela Et en mode vraiment constructif, en mode réunion, pas en mode jugement sur un vulgaire WhatsApp. Vous devez comprendre que vous devez travailler sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça ça veut dire que quand vous travaillez dans l'entreprise, vous gérez toutes les tâches opérationnelles quotidiennes. Comme répondre à des emails, traiter des commandes, résoudre les problèmes, peut-être même faire des ménages, peut-être même, euh, peut même gérer des check-in euh, ou aller chercher une ampoule que vous allez acheter à Le Merlin, qui est a, à qui a une heure de chez vous, à une demi-heure. Le temps de revenir, c'est une heure, plus l'acheter, c'est une demi-heure. En gros, il s'est écoulé deux heures pour acheter des ampoules. Parce que dans les logements, il y a des ampoules. Est-ce que vous croyez sincèrement que c'est ça qui va faire avancer votre boîte bah Bien entendu que non, c'est évident. Ou alors que vous alliez à Lidl ou à Leclerc ou je ne sais où pour acheter tous vos produits de nettoyage, pour acheter le shampoing et le savon. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devriez plutôt travailler avec une boîte qui vous lit directement, vous n'avez pas besoin d'y aller en fait Tout est arrivé, c'est automatisé, à la limite même vous mettez en place un processus de commande automatique, de réassort automatique, puisque vous connaissez vos volumes. Vous comprenez ou pas? C'est important tout ça. Et travailler sur son entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous concentrez plutôt sur la stratégie, l'innovation et les moyens de développer l'entreprise à long terme. Pourquoi c'est important ce que je vous dis là Pourquoi D'après vous. Bah parce que être pris dans les tâches quotidiennes, ça limite tout simplement votre capacité à avoir une vue d'ensemble. Vous avez les œillères. Vous êtes, vous êtes euh, euh, dedans. Et cela vous empêche d'anticiper les opportunités ou de résoudre des problèmes qui, soient, qui sont plus structurels. Et en fait, vous ne vous rendez même pas compte que ça se trouve votre boîte est en train de couler. Elle perd de l'argent, ça se trouve. Alors, comment faire bah Déjà, c'est prendre du recul. C'est plutôt qu'être dedans, c'est hop, on revient en arrière, on dézoome, on dézoome et on regarde ce qui se passe. Donc, on réserve du temps chaque semaine pour réfléchir à des objectifs plutôt long terme posez-vous ces questions dès maintenant. Où est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 5 ans Qu'est-ce que vous vous attendez de votre entreprise et de votre vie perso d'ailleurs, votre pourquoi Pourquoi vous avez fait tout ça Pourquoi vous avez créé votre boîte Pourquoi Quels obstacles freinent votre croissance Qu'est-ce qui vous empêche d'y arriver aujourd'hui Et quel système pourriez-vous améliorer Qu'est-ce que vous pouvez améliorer Bien entendu qu'on va prioriser les tâches stratégiques donc vous identifiez ce qui génère le plus de valeur pour l'entreprise, par exemple développement de produits, de partenariats ou de l'innovation, et vous déléguez et externalisez les tâches qui ne nécessitent pas votre expertise. Bon, facile, le ménage, euh, euh, livraison des commandes, Rassort, euh, les, les, les piles de télécommandes, les... tout ça c'est facile, automatisé, ce je... et ça vous fait un, gagner un temps de dingue, les automatisations pour, pour accéder au logement, les clés, etc. etc. Ensuite, vous créez des processus autonomes. Donc, vous mettez en place des systèmes qui sont plutôt bien conçus à votre entreprise, qui permettent de fonctionner même pendant que vous n'êtes pas là. Alors, maintenant, on arrive à la délégation. Pourquoi il faut déléguer Parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul, c'est évident. Si vous voulez faire que votre entreprise se développe, vous n'avez pas d'autre choix. Déléguer libère du temps pour des tâches qui sont plus stratégiques et ça réduit votre charge mentale. Vous couchez mieux la nuit, vous dormez mieux la nuit. Ça permet à vos collaborateurs de développer leurs compétences en renforçant ainsi l'ensemble de l'équipe. Alors il y a quand même des obstacles à la délégation, ça va être le manque de confiance. Personne ne peut faire aussi bien que moi. Je crois qu'à mon avis, c'est un truc que vous êtes déjà dit, je me suis déjà dit, oh mais ça, il n'y a que moi qui peux bien le faire. Ouais, mais ça, c'est un obstacle. Manque de clarté. Sans des instructions précises, vos employés peuvent mal comprendre vos attentes. Et au final, vous dites putain, mais il ne correspond pas. Mais putain, j'aurais dû le faire moi-même. Mais putain, mais comme on dit souvent, je... on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah, mais c'est surtout parce qu'en fait, le vrai truc, c'est que tu dis ça parce que tu as mal expliqué, tu as mal documenté, tu as mal formé la personne. Et donc, forcément, on fait de la merde. Peur de perdre le contrôle. Eh ouais, il y a aussi ça. Certains entrepreneurs craignent que délégués diminuent leur maîtrise des opérations. Et que donc, in fine, au bout d'un moment, vous dites, bah en fait, j'ai n'ai plus la main. Alors, il faut faire attention quand même, parce que moi je l'ai vécu ça. il faut faire attention sur la partie technique, parce qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement dépendant que l'autre personne peut en abuser financièrement et peut vous réclamer toujours de plus en plus d'argent, que ce soit de plus en plus cher. Ou en gros, euh, laisser sous-entendre que ce qu'il fait, c'est un travail qui est lourd, conséquent. Et derrière, ça coûte temps. Et au final, quand vous mettez bien le nez dedans, au final, c'était réglé en une heure. Donc, ça, il faut aussi avoir un travail d'analyse sur ça. Pourquoi pas même auditionner cette personne-là, vérifier faire un audit, vérifier. Alors comment on, dé on délègue efficacement bah Déjà, ça va être identifier les tâches à déléguer. Donc pour ça, vous pouvez les classer en trois catégories. Première chose, qu'est-ce que vous aimez faire Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous fait kiffer Deuxième chose, qu'est-ce que vous devez faire Absolument, pour que ça marche. Et troisième chose, qu'est-ce que vous pouvez déléguer, d'après vous Exemple, des tâches à déléguer, l'administratif, le service client, la gestion des réseaux sociaux, ça va être la facturation. Moi, par exemple, la facturation, on l'a automatisée. Alors, oui, il faut un humain, mais n'importe qui peut le faire. Formez vos employés, fournissez des instructions claires et des ressources, vidéos de formation manuelle. Suivez les performances, mettez en place des KPI pour fixer des objectifs mesurables et donner un retour régulier pour aider vos collaborateurs à s'améliorer. Ça, Guessuki, on l'a très bien fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le voyageur peut noter le ménage et ce, cette notation est remontée directement à la personne qui a fait le ménage. Et comme ça, on a un moyen de mesurer la performance du personnel. Faire confiance, donner à vos employés l'autonomie nécessaire pour prendre des initiatives. Sinon, au bout d'un moment, ils vont, se, ils vont se désespérer, ils vont laisser tomber. On arrive à, vers la, la dernière partie de cette vidéo, ça va être la mentalité de la croissance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mentalité de croissance C'est la croissance que vos compétences, pardon, c'est la croyance que vos compétences, celles de vos équipes et celles de votre entreprise, peuvent s'améliorer avec des efforts constants et des apprentissages. Contrairement à une, monnaie, une mentalité plutôt fixe où on pense que tout est prédéterminé, eh bien, c'est une mentalité de croissance pousse à voir les défis. Comme des opportunités. Combien de gens je vois abandonner parce qu'en fait il y a de nouveaux défis Alors qu'au contraire, c'est dans cette mentalité de croissance, que qui dit défi, dit croissance, dit opportunité de croissance. Alors pourquoi c'est crucial pour un entrepreneur d'avoir justement des défis Parce que les marchés ils évoluent constamment. Une mentalité de croissance vous permet de rester adaptable. Les échecs deviennent des leçons au lieu, au lieu de freins. Et elles favorisent l'innovation et l'expérimentation. Et oui. Et surtout en ce moment, on voit que beaucoup de choses bougent. Alors comment on développe cette mentalité Parce que c'est effectivement, on ne l'a pas comme ça au premier abord. Vous ne l'êtes pas forcément, surtout si vous avez un profil technicien. Bon. Déjà, c'est accepter les erreurs. Donc voyez chaque erreur comme une opportunité, une opportunité d'apprendre. Vous avez fait une erreur, ce n'est pas grave. Vous avez appris de ça. Exemple, un produit qui échoue à se vendre peut révéler des lacunes dans votre étude de marché. 2. Apprendre en continu. Lisez, formez-vous, suivez des mentors. Je vous fais ces vidéos YouTube, suivez-les. Elles sont faites pour ça. Je fais des lives, etc. etc. Fixez des objectifs ambitieux. Définissez des buts que, qui vous poussent à sortir de votre zone de confort. Dans votre boîte, donnez-vous des objectifs d'ailleurs je le fais très souvent cet exercice vous le savez en fin d'année je fais un point sur mon année et le, est que vers la fin de l'année donc je vais le faire cette année je fais un point et d'ailleurs j'en partage sur mon podcast en vidéo youtube et en début d'année je refais un point sur mes objectifs au pod, format podcast et en fait je le fais parce que le fait de vous de, de vous le donner ça c'est une façon pour moi de mettre face à mes responsabilités et après, d'ailleurs, vous pouvez me juger si vous le voulez par rapport à ça. Et enfin, encourager votre équipe à grandir, c'est investir dans de la formation et créer une culture d'apprentissage. Alors ça, les grosses boîtes comme, comme Google, comme les grosses startups, ça, ils l'ont carrément poussé à leur paroxysme. C'est juste excellent. Organiser des ateliers, sponsoriser des cours pour vos collaborateurs. C'est vrai que c'est top. Des après-midi, par exemple. Ça pourrait être même plus un peu détente, mais on est là pour apprendre et en même temps, on est là aussi pour passer un bon moment tous ensemble. C'est fédérateur, c'est juste excellent. Donc, les résultats d'une mentalité de croissance, c'est une entreprise qui innove et qui évolue constamment. Et c'est une équipe motivée, proactive et résiliente face à ces défis. Euh, donc, si on devait un peu conclure cette vidéo, euh, bah pour moi, euh, les quatre piliers sont interconnectés. Donc, en construisant des systèmes, en déléguant, en travaillant sur votre entreprise et en adoptant systématiquement une mentalité de croissance, ben en fait, vous avez quatre piliers là qui sont interconnectés entre eux pour être dans cette croissance maîtrisée de votre entreprise. Et en appliquant ces principes, vous allez finalement transformer votre entreprise en un moteur durable qui fonctionne sans que vous soyez impliqué dans chaque détail du quotidien. Et là, vous avez créé l'entreprise que vous avez toujours rêvée. C'est-à-dire l'actif, l'entreprise qui travaille pour vous et qui vous génère des dividendes chaque année. Et qui vous permettra, en plus de ça, au bout d'un moment, de peut-être faire autre chose et de développer un autre actif, tout en ayant un œil attentif à ce qui se passe. Mais vu que tout a été processé, ça veut dire que ce n'est plus vraiment vous qui va la développer, cette boîte. C'est finalement un collaborateur qui rentrera peut-être dans le capital même de votre boîte et qui va la développer pour vous. Et vous, vous tirez des dividendes chaque année. Et vous pourrez vous concentrer sur autre chose. C'est pour ça qu'au départ, c'est super important de faire le focus. Et ensuite, vous pourrez dans cette stratégie. Mais il faut passer par toutes ces étapes. Donc ne faites pas cette erreur de vous éparpiller et d'aller trop vite sans avoir respecté tout ce que je viens de vous dire ici. Sinon, c'est voué à l'échec. Et votre boîte, vous allez la perdre. Et c'est pour ça que plein de petites entreprises, en fait, coulent. Parce que la plupart des gens qui entreprennent sont des techniciens. Ils ont un profil technicien, ou alors ils aiment quelque chose. Alors c'est important d'aimer ce qu'on fait, hein, tous, attention, hein. c'est important d'aimer parce qu'il faut faire quelque chose qu'on aime faire, c'est évident. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils aiment, donc ils, ils deviennent d'un coup technicien de ce qu'ils aiment et ils restent enfermés dans ce côté technicien. Mais sauf que ça, au bout d'un moment, première année ou deuxième année, voire même troisième année, c'est mort. C'est mort. Parce que le marché aura bougé autour de vous. Et vous, vous n'aurez pas bougé, en fait. Vous serez toujours dans ce truc-là. Et ça ne marchera pas. Et ça ne marchera pas, et vous allez couler. Et votre boîte va couler, ou vous serez en burn-out. Enfin, ce sera la fin. Quoi. Je pense que vous, vous me direz dans la partie commentaire si vous, vous retrouvez dans ce que je vous dis ici. Si vous souhaitez de l'accompagnement sur ça, je suis aussi disponible, bien évidemment, pour euh, vous aider à, à avancer sur tous ces sujets euh, qui, pour moi, sont, sont super importants. Puis je voudrais terminer sur une dernière chose. Pour ceux qui ne savent pas j'ai lancé une autre chaîne YouTube, euh, où là, c'est plus du format détente, format vlog, euh, où je partage en fait mon quotidien. Et je trouvais ça intéressant de partager le quotidien finalement d'un entrepreneur comme moi, comme vous, hein. attention, je ne je suis, je suis qu'un petit entrepreneur, et de le partager avec vous, parce que je pense que ça peut vous permettre de... De mieux vous projeter aussi, de mieux comprendre aussi moi les défis que j'ai au quotidien, parce que j'en ai plein. J'ai plein de problèmes au quotidien, j'ai plein de, de défis à relever. Et justement, je le partage avec vous parce que ça permet justement d'être dans cette logique de cette vidéo, hein, tout simplement. Donc, je vous mettrai aussi le lien de cette autre chaîne YouTube si vous souhaitez vous y abonner et si vous souhaitez. Et c'est vraiment la plus pour le coup du format. Vlog. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai fait avec la plus grande sincérité, la plus grande transparence possible. N'hésitez pas à lâcher euh, le pouce et puis à la partager parce que je pense que ça peut vraiment aider d'autres entrepreneurs. Sur ce, passez une excellente journée. On se retrouve bien entendu tout de suite dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.